Léon, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour voir ensemble votre guidance du mois d'août avec l'oracle de Béline et mon oracle Smoothie in Love. Voilà, si vous voulez des renseignements sur Smoothie in Love, contactez brigittecrespo@gmail.com pour le recevoir chez vous. Alors, le concours sur Saga Voyance, donc, pour gagner une voyance avec moi, il suffit de vous abonner à Saga Voyance, je dis bien, de marquer en commentaire que vous participez au concours. Je mettrai également cette vidéo sur Image de l'âme que je vous invite à aller voir également. Eh bien, on y va avec quoi? On y va... Tiens, je vais prendre tout d'abord une carte de Smoothie in Love, justement, pour peut-être pour voir un peu la température, je dirais, de ce mois d'août. Alors, va-t-il faire chaud? Va-t-il avoir de la pluie, hein, des orages, une douce ondée, un vent caressant, une brise légère, un tsunami du cœur? Nous allons voir cela. Allez, on va prendre une carte, tiens. Et c'est l'amour. Alors là, bien, qu'est-ce que vous voulez, hein? Les lions, finalement, hein, ça commence bien, on verra la fin. Hein? Finalement, ça commence bien, c'est pas tout à fait un accord. Cela débute bien avec Eros Cupidon, eh bien, qui est prêt en tout cas, hein, qui est prêt à tirer sa flèche. Voilà, alors c'est une carte qui parle de désir amoureux, d'amour, hein. De toute façon d'avoir envie d'être touché par l'amour, également d'une rencontre, hein, d'une rencontre possible. Voilà, ça parle de tout cela. Êtes-vous prêt à trouver l'amour, à recevoir l'amour, à conforter l'amour, à faire grandir l'amour? Nous le verrons, hein. On dirait que, moi je pourrais dire que Eros Cupidon attend que votre désir, que votre souhait. Alors, pour certains lions, on est un peu dans l'isolement, peut-être depuis un moment, peut-être dans les couples, des difficultés à échanger, à savoir où on en est, à savoir vers quoi on veut aller. Peut-être les célibataires sont-ils dans une impression que bon, l'amour, c'est pas pour eux. Regardez que Cupidon n'est pas loin, Eros est prêt à tirer sa flèche tout de même. Alors, êtes-vous dans ce mois d'août un peu isolé, un peu en retrait, un peu triste? On va voir cela. Il y a cette idée de stérilité. Alors, l'intelligence, là, lorsqu'on a la stérilité et l'intelligence, on pourrait dire que... Eh bien, quoi? On pourrait dire que... vous allez quand même retrouver votre sérénité. Le moment de la stérilité va toucher à sa fin, un moment ou à l'autre. Et vous allez petit à petit trouver... une certaine façon d'avancer peut-être dans votre relation affective, et peut-être que pour les célibataires notamment, vous cherchez quelqu'un en lien avec des affinités qui vous touchent, avec ce qui vous touche, avec vos affinités intellectuelles. Vous voulez peut-être des échanges au-delà des passions, au-delà de la passion, basés sur la sagesse et la connaissance. Voilà, pour trouver le bonheur, c'est peut-être cela. Et puis, on pourrait dire que dans votre vie amoureuse, dans votre quête amoureuse, dans votre vie de ce mois d'août, eh bien, ça va être intelligence, modération. Hein. Alors, la stérilité, ça pourrait dire que vous êtes prudent aussi, hein, qu'il y a de la prudence. Alors, pour certains, peut-être, ou pour d'autres, j'ai cette carte de choc émotionnel, de bouleversement, de malentendu. Alors, peut-être... des malentendus en couple, hein, peut-être on n'est pas sur la même longueur d'onde, des malentendus qui pourraient, oui, peut-être aller jusqu'à la séparation, c'est possible. En tout cas, il va y avoir des bouleversements, des choses brutales, je pourrais dire, qui peuvent arriver dans les couples. Et c'est là qu'il va falloir être avec cette intelligence. Admettons, vous êtes en couple, il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de communication, et puis d'un coup, il y a un clash. Il va falloir faire appel à son intelligence pour modérer les choses et faire que les choses avancent doucement. J'ai oublié de dire qu'avec Smoothie in Love, je ferai après cette vidéo générale, enfin, cette guidance générale, je ferai des camps par des camps. Hein, voilà, alors je vous invite à rester jusqu'à la fin. Ou en tout cas, à voir votre décan dont je mettrai le timing en commentaire. Alors, plaisir.
Oui, on voudrait des plaisirs, on cherche des plaisirs. Il y a une envie, alors notamment là quand même pour les célibataires, de créer quelque chose de sincère, de tendre. Alors les plaisirs, on va peut-être rencontrer l'autre dans un lieu où il y a de la beauté, de l'art, je ne sais pas. On pourrait dire que les couples peuvent avoir de l'harmonie malgré ce clash. Là, il y a peut-être que l'intelligence va permettre de retrouver, avant d'aller jusqu'à la séparation, l'incompréhension totale, et bien, je dirais, faire appel à. Comment pourrais-je dire retrouver la parole du cœur, le chemin du cœur, hein, retrouver peut-être le romantisme, les élans du début. Hein, pour les célibataires, il y a aussi l'idée de construire, on l'avait vu, une nouvelle relation sur la sagesse et la connaissance, mais aussi l'idée de sécurité, d'échange harmonieux, hein, pour trouver le bonheur. Hein, voilà. Sortir de cette stérilité qui est là. Oui, alors la roue tourne, voilà, il y aura quelque chose de dynamique. Alors ce bouleversement avec cet accident peut amener un changement de vie, hein. Un changement assez conséquent, hein. Peut-être c'est la fin d'un cycle pour un nouveau cycle. Mais il y a l'idée aussi de saisir les nouvelles opportunités, hein, nouvelles rencontres, se libérer des anciens schémas et se libérer de cette solitude, de cette tristesse, de cette stérilité. Hein. Il y aura la chance peut-être pour certains, hein, si Eros n'est pas loin et tire une flèche, eh bien il y aura l'idée peut-être de s'engager dans cette nouvelle voie. Et puis il y a l'idée aussi que peut-être pour les couples, il pourrait y avoir une façon nouvelle d'avancer, une nouvelle communication, un changement, d'un bouleversement qui pourra être pour certains, bien sûr, c'est une guidance générale, peut-être pour certains bénéfique à la fin. Vous voyez la paix là quand même, la paix va être retrouvée pour ma part, hein, en tout cas. Il y a cette idée d'avoir envie quand même d'être dans la paix, de vivre la paix, de retrouver un équilibre en soi pour après être équilibré dans les échanges, dans les rencontres. Alors il y a aussi l'idée que peut-être s'il y a une rencontre pour certains avec cette paix, on n'est pas prêt à s'engager tout de suite dans la passion, l'amour, le ménage et les enfants. Vous voyez, il y a l'idée que peut-être on a le temps de voir venir, on préfère construire une relation sur la connaissance de l'autre petit à petit, vous voyez, une amitié là qu'il a peut-être, qui, pourquoi pas, peut évoluer. Alors, on continue, l'infortune, alors certains avancent depuis un moment dans des difficultés, des blocages avec cette infortune, il y a un manque affectif là, un besoin de soutien pour certains, les échanges sont difficiles, alors et on est encore dans cette idée que pour certains, eh bien, malgré d'autres arriveront à sortir d'une situation difficile, d'autres auront cette idée d'échange difficile. Ou alors c'est que peut-être vous avez du mal aussi à faire confiance, même s'il y a une rencontre, parce que peut-être vous avez souffert, vous avez vécu des difficultés. Il y a des blocages encore qui est là, alors peut-être est-ce vous à lever les blocages ou à la providence. On a, vous voyez, avec cette carte de l'eau, l'idée que bon, mais ça peut vous représenter cette carte comme étant très émotive, très sensible, hypersensible là, mais aussi dans l'idée de passivité, de déprime. Vous voyez, on est encore dans cette idée de stérilité qui était là. Alors, eh bien, vous voulez construire un foyer, peut-être pour certains, les célibataires, sortir de l'isolement, mais c'est pas facile. Hein. Vous avez du mal, comme si vous étiez un peu rattrapé un petit peu par ce lourd fardeau affectif, dans des échanges difficiles, dans des illusions que vous avez vécues, et des déceptions, hein, voilà. Alors là aussi on est quand même dans les émotions, l'affectif avec l'eau. Alors pour des couples, pourquoi pas, il y aura des échanges romantiques, affectueux. Pour d'autres, un malaise intérieur, difficulté à s'accorder à l'autre, voyez, vraiment à faire que le couple avance. Alors il y a quand même la famille qui est là. Alors la famille, ça pourrait être bien sûr le soutien familial dont vous avez besoin. On a vu parler de soutien, de besoin de soutien. Il y a l'idée aussi que c'est la famille aussi qui va vous permettre, le clan familial, de vous retrouver, de retrouver cet équilibre et de vous comporter dans vos avancées. Pour les célibataires, de retrouver ce calme, hein, d'accéder à la sagesse, mais aussi vous voulez créer peut-être pour certains une famille, une protection, une sécurité, et peut-être l'avez-vous déjà et vous voulez la conserver, hein, voilà. Il y a quand même l'idée que la famille est importante, le soutien familial,
Alors bon, la campagne, la santé, envie de se protéger, là encore, de se ressourcer, c'est bien à la campagne, se retrouver peut-être au calme, en famille, pourquoi pas, hein, avec cette famille, dans un lieu calme, dans un lieu de détente, de calme, pour trouver cette sérénité, hein, dans une solitude qui là pourrait être constructive, hein, une solitude qui n'en est pas une, dans le sens que vous allez prendre du repos pour vous ressourcer avant de repartir pour les célibataires, ceux qui souffrent depuis longtemps, peut-être qui sont seuls depuis longtemps à la recherche de l'âme sœur, mais peut-être que ce mois d'août sera un mois d'août de calme, dans le sens que vous ne vous précipiterez pas, même si vous faites une rencontre, pour justement pour ne pas tomber dans des illusions et des choses qui ne sont pas. Vous voudrez voir venir, hein. Et puis vous reposer et être sûr de ce que vous désirez en amour. Alors cette carte de la méchanceté, bon, peut-être il y a des jalousies, hein, peut-être dans les échanges, bien, il y a des piques, hein, on échange de façon vive, on veut régler ses comptes, il y a des chamailleries, bon, faites attention de ne pas tomber dans le piège, hein, essayez de garder ce calme, cette sérénité que vous désirez. Pour certains, il y a une relation qui est difficile, qui les enchaîne là, avec cette carte du despotisme. Alors c'est peut-être une rupture à venir, une rupture difficile qui vous amènerait peut-être pour certains vers du mieux. Hein. C'est, je ne vous engage pas à vous séparer, c'est pas ça. Mais il y a l'idée aussi, si vous ne voulez pas aller dans le clash final, eh bien, retrouver votre puissance, votre autorité et ne pas céder aux exigences de l'autre. Hein. Il y a l'idée aussi peut-être des contraintes d'ordre familial pour certains. Hein. Alors la famille, c'est un bon appui, mais pour d'autres, ça peut se présenter comme des contraintes, des sacrifices à faire, des sacrifices que l'on ne veut pas faire, des difficultés d'épanouissement aussi pour les célibataires, des difficultés à avancer dans leur vie amoureuse. Il y a aussi cette idée avec cette carte du despotisme, il y a des blocages. Hein. Alors, les pénates, hein, c'est la maison, c'est aussi l'ego, les pénates. Cette tour, ça peut représenter l'ego, vous voyez. Bah, c'est le retour à soi, hein. On se protège des agressions. Hein. Alors, pour d'autres, on veut construire ces pénates, ce foyer, hein, ce feu-là, ce feu du foyer de la famille, et on veut faire de nouvelles rencontres. Hein. Et puis, pour les couples aussi, peut-être on arrivera à ressouder le noyau familial, la maison, se retrouver, hein, pour accéder à peut-être à quelque chose de mieux. Avoir un nouvel élan dans ce changement vers la roue. Alors le bonheur, eh bien, je suis heureuse quand même de terminer avec le bonheur. Le bonheur, il va y avoir des réunions familiales, des raccords, des accords familiaux, on va se retrouver, on va s'aimer. Et voilà, et puis ça va mener beaucoup de choses. Et c'est aussi le bonheur dans les relations, dans toutes sortes de relations. L'épanouissement sans nuage, à la fin on va y arriver, il va y avoir des échanges prometteurs. Hein. Alors il y a quand même beaucoup de difficultés, de choses difficiles, mais la roue tourne, le bonheur vous tend les mains, Eros Cupidon n'est pas loin. Alors pour certains ça va être difficile de ressouder une union, pour d'autres ça va bien se passer, il va y avoir du travail, mais on va y arriver parce que l'affectif va être quand même primordial, on va s'appuyer sur la famille, la sécurité, le foyer, l'amour que l'on a l'un pour l'autre, hein, pour ses enfants aussi. Et puis on va faire appel à son intelligence, et pour d'autres, eh bien, c'est peut-être le moment de passer à une autre étape de vie. En tout cas, pour les célibataires, il y aura des moments de pause, de calme, pour trouver le chemin qui va conduire à ce que vous désirez en amour. Alors, on va voir maintenant pour les décans, si vous voulez bien. Alors maintenant, on va voir le décan premier, hein, le premier décan pour les lions. Et je vais prendre... Et je vais prendre un petit papier, tiens, il y a un petit papier venu tout de suite pour les lions. Un petit papier qui nous dit, premier décan, éclair, les choses se clarifient, vous prenez conscience de quelque chose d'important, les choses se clarifient, vous prenez conscience de quelque chose d'important. Alors, eh bien on y va. Pour les premiers décans, eh bien on va garder quand même notre Eros Cupidon qui n'est pas loin, qui est prêt là à manifester eh bien, l'amour, à révéler l'amour, je dirais, hein. Et puis on va voir donc pour les premiers décans avec Smoothie in Love, contact Brigitte Crespo @gmail.com, et puis vous avez en dessous de la vidéo en description aussi, voilà, sur Oracle Saga vous avez aussi la boutique pour le commander, pour avoir des renseignements, il y a la vidéo de présentation, enfin, voilà, c'est un oracle de 56 cartes, Smoothie in Love, sur le relationnel en général et sur l'amour, bien sûr. Voilà, on va voir. Eh bien, écoutez, c'est pas mal du tout, hein. On a envie de déguster l'amour, hein, voilà. Voilà, c'est la dégustation amoureuse, là.
Il y a une idée. Vous voyez, il y a une idée là de que bon, c'est bien la communication, c'est important, mais il y a un moment où l'amour est savoureux en bouche, je dirais, et que les baisers sont bons. Vous voyez, il y a une idée de savourer l'amour, de déguster l'amour. Et s'il y a des éclaircissements, eh bien, on va trouver une saveur différente, une belle saveur à la relation. Moi, je vais dire ça hein, pour les premiers décans du lion. Peut-être qu'il y aura des échanges, des clarifications justement si la situation est compliquée, notamment pour les couples, qui vont vous permettre de découvrir de nouvelles choses dans votre relation. Ça va être magnifique. Et n'oubliez pas que toujours l'amour est là, pas loin, qui guette. Alors, premier décan du lion. Et voilà, on va atteindre, en tout cas on cherche cela, on pourrait dire. On cherche tiens, je vais la mettre comme ça, je vais la donner comme ça, la carte, tiens. On cherche cette perfection à concrétiser quelque chose. Alors, pour arriver justement à cette saveur, cette dégustation, je dirais presque ultime, on sait que le chemin est long et on va donner tout ce que l'on peut, on va concrétiser cela, sa relation, on veut la concrétiser, on veut dire oui à l'amour. Et on va faire, comment pourrais-je dire, on va mettre tout en œuvre pour arriver à cette perfection qui est la vôtre. Bien sûr, chacun a sa perfection et sa vision de l'amour, mais il y a cette idée d'accéder à cela. Alors, moi, je pense quand même que pour l'instant, les premiers décans sont assez... Hein, il y a beaucoup de douceur, d'amour, d'envie de réaliser, hein, de réalisation. Hein. On va travailler à cela. Il y a une carte qui a sauté, donc je vais la prendre, puisqu'elle veut là. Alors voilà, j'ai quand même une très belle carte là. Hein. J'ai la carte de la déclaration, hein, des confessions. Alors, on pourrait mettre en relation avec l'éclaircissement. Hein. Les choses vont s'éclaircir, on l'a vu. Il va y avoir des choses qui vont se dire, peut-être des choses qui n'ont jamais été osées. Dites, ça c'est pas français ça, qui n'ont jamais été dites, on n'a pas osé le dire, et eh bien peut-être que enfin on va avouer cet amour, dire à l'autre oui, c'est je suis vivant avec toi, notre couple, vous voyez, il y a une idée d'amour, d'oser dire peut-être sa flamme là, il y a des déclarations, des demandes là, peut-être, mais vous voyez, il y a cette idée de. Après des difficultés, on veut maintenant arriver à quelque chose. C'est comme un graal amoureux, c'est comme une démarche jusqu'à un graal amoureux, une quête amoureuse. Eh bien, on va arriver à se dévoiler. L'autre va se dévoiler, vous voyez, c'est la flèche de Cupidon, hein, la déclaration aussi. Voilà. En tout cas, pour l'instant, on n'a pas envie de se faire du mal, je pourrais dire, hein, pour les premiers décans. Voilà, c'est ça. Hein. Voilà, envie de. Ben, il y en a une autre qui est sortie, je vais la prendre aussi. Voilà, je la mets là, on en parlera après. Envie de bien-être. Vous voyez, cocooning là. Un week-end, on veut se faire un week-end smoothie in love, c'est cela. Hein. Le sourire de l'autre, les yeux de l'autre, le parfum de l'autre, s'entourer de fleurs, de beauté. On veut oublier le temps, on veut aimer. Hein. Il y a un peu cela aussi, vous voyez. Il y a des choses qui vont se faire et bien de choses qui vont être guéries, hein, voyez, avec cette carte de la régénération. Si l'amour a brisé le cœur, je parle pour beaucoup, hein, bien sûr, célibataire ou couple, c'est l'amour qui va réparer votre cœur, voyez, il y a cela. Vraiment très très beau. La carte qui veut se retourner, je la prends. Pour d'autres, ça va pas être aussi simple que cela, dans le sens qu'il y aura quand même encore des choses à régler, des choses à voir, des choses qui sont pas dites. Pour certains, bon, les célibataires vont peut-être tout d'un coup se mettre en route et multiplier peut-être un peu
les rencontres, ils vont se sentir guidés par le hasard, plus que par la providence peut-être, mais ne sachant ni le lieu ni l'heure de la rencontre, eh bien ils vont peut-être aussi... qu'est-ce que je pourrais dire, se montrer, bon, il y a la versatile, oui, mais quelque part, ne pas savoir encore ce qu'ils veulent. Vous voyez, certains ne seront pas prêts à s'engager sur le chemin de l'amour, ou même dans les couples, peut-être on se cherche avec l'autre et on a du mal à fixer une feuille de route, je pourrais dire presque. Besoin de régénération, de se poser de toute façon, hein. C'est certain. Alors j'ai deux cartes là. Très très belle carte. On a la conception, la fécondité et le fruit défendu. Hein. Avec le fruit défendu, on pourrait dire que peut-être vous voulez avancer vers quelque chose de nouveau. Ce fruit défendu, bien, ça pourrait être, comment pourrais-je dire, une révélation aussi, je pourrais dire. Alors, ce Graal, enfin, peut-être, j'ai parlé de Graal, de conquête du Graal, de chemin pour aller vers le Graal, eh bien, c'est peut-être quelque chose que vous n'avez jamais connu en amour, quelque chose que maintenant vous est donné, auquel vous allez goûter certainement, hein, parce que ça va être une révélation pour vous. Alors, ce fruit défendu, eh bien, c'est un monde de merveilles, un monde nouveau, un monde qui va vous apporter peut-être avec la carte de la conception comme la création de quelque chose que, comment pourrais-je dire, qui va vous révéler à vous-même, hein. C'est comme si vous alliez, voyez, dans une pomme, alors là le fruit défendu c'est plutôt une poire, mais que ce soit dans une pomme ou dans une poire, il peut y avoir un verre. Et on pourrait imaginer, sans être négatif, hein, que vous êtes ce petit verre qui est dans la pomme et qui allait vous révéler et sortir un jour un papillon, hein, en vous nourrissant peut-être justement du fruit défendu. Il y a comme une révélation qui va se faire, quelque chose de nouveau. Alors vous m'en parlerez, hein. Vous allez être créatif, inventer l'amour, hein, inventif, rendre votre amour fécond. Hein. Vous allez devenir un papillon, tout simplement. Voilà, c'est très très beau. Deuxième décan des lions. Alors, je prends un petit papier. Deuxième décan des lions. Salamandre, symbole de la régénération. Alors c'est très beau. Régénération des souffrances, des difficultés, de soi-même. Hein. C'est très très beau, la salamandre, régénération, le feu. Hein. Voilà. Alors, deuxième décan, on va voir donc avec Smoothing Love. Contact Brigitte Crespo, @gmail.com si vous voulez des renseignements pour le recevoir chez vous. S'il y a de la suspicion, de la défiance, des difficultés, hein, des disputes, on incrimine l'autre de tous les mots, on n'est pas content, on n'est pas heureux, eh bien souhaitons que cette régénération se fasse. Si vous surveillez, si vous veillez, si vous avez de la suspicion contre l'autre, hein, voilà, eh bien peut-être revenez à vous-même, travaillez sur vous, voyez aussi à communiquer avec l'autre, hein, ne soyez pas ne vous renfermez pas dans, voilà, dans cela, dans les chamailleries, il y a tout cela qui doit être régénéré, travaillé, hein, pour trouver peut-être une solution, un éclairage nouveau. Hein. N'allez pas espionner les mails, les SMS, les poches de l'autre. Hein. Soyez plutôt dans la clarté. Hein. Travaillez sur cette régénération de vous-même, du couple, de la relation à l'autre, de la relation à vous-même. Et puis cherchez un éclaircissement, une communication. Hein. Voilà, on pourrait dire cela. Alors, nous sommes pour les lions, deuxième décan. Alors voyons comment cela nous parle.
Oui, alors bon, on parlait de blocage tout à l'heure, voilà, bon, il y a des blocages. Il y a des blocages, hein, il y a des blocages. Les choses n'avancent pas comme vous voudriez, peut-être, vous êtes peut-être triste. Eh bien, pensez à la salamandre, à la régénération, au feu qui réchauffe. Hein. Alors, bien sûr, c'est l'été, je ne vais pas vous dire d'allumer la cheminée. Mais bon, il y a l'idée de, peut-être de trouver un feu qui apaise, un feu qui nourrit, un feu qui... Alors, ça peut être le feu d'une amitié, d'une relation, de la famille, le foyer, hein, on pourrait dire. Sortez de la stagnation, du froid, de la tristesse. Hein. On est en été, ne restez pas en hiver. On pourrait dire, s'il y a des blocages, les choses vont certainement s'arranger. Bon, ben, ça ne s'arrange pas tout de suite, mais... Vous voyez, il y a une saucée, des intempéries qui vous tombent dessus peut-être. Et ça vous avez du mal peut-être à le supporter, à le comprendre. Peut-être c'est aussi vous qui pleurez sur vos amours, sur votre relation, sur l'impossibilité aussi à trouver l'amour, à sortir de difficultés. Hein. Mais n'oubliez pas que les escargots sortent quand il pleut. Alors bon, eh bien, peut-être profitez d'une pluie régénératrice. Faites que cette pluie soit régénératrice, que ces larmes vous régénèrent. Hein. Voilà, c'est un peu cette idée-là de régénération. Hein. Des fois, pardonnez-moi. On pleure, et puis ça fait du bien, après on est guéri. Hein. C'est un peu cela aussi, laissez aller peut-être vos pleurs, votre tristesse, ne les retenez pas. Hein. Plutôt que d'être dans le froid qui raidit, soyez peut-être dans cette pluie bienfaisante. Hein. Et puis si vous avez l'impression que tout vous tombe du ciel, hein, que l'amour est perdu, eh bien n'oubliez pas qu'après la pluie vient le beau temps, hein, voilà, c'est comme ça. Voilà, il y a ce feu-là, vous voyez, ce feu qui est là, non pas pour vous consumer, faites que ce feu vous guérisse, vous voyez, il y a ce feu de l'amour aussi, et peut-être que vous allez tomber en amour, rencontrer l'amour, mais il y a aussi l'idée de feu régénérateur, de feu guérisseur, ne soyez pas dans un feu qui consume de cette suspicion, hein. Soyez aussi dans l'empathie, cherchez l'éclairage sur les choses qui vous inquiètent, ne restez pas dans ce froid qui vous isole, hein. Faites que ce feu qui brûle en vous, peut-être le feu pour quelqu'un, ou le feu qui est encore, peut-être une petite flamme encore dans votre couple, eh bien, fasse que ce soit un feu guérisseur, un feu régénérateur de vous et de l'autre. Vous voyez, il y a cette idée de ne pas être consumé. Alors, on a les épousailles, il y aura quand même des accords de cœur, des unions, des amants, des rencontres qui vont se faire avec cette carte. On va quand même s'aimer, et quand on va s'aimer, on ne va plus compter, on va se faire des câlins. Voilà, il y a quand même l'idée de revenir à quelque chose de plus naturel plutôt que la guerre. Bon, je vois cela. Hein, il y a quand même... il y a peut-être des intempéries, des difficultés qui vont être bénéfiques pour vous, deuxième décan, pour que peut-être vous puissiez sortir aussi de cette instabilité qui vous habite. Alors, ça peut être aussi le fait que, bon, les célibataires, on est frivole, bon, on multiplie un peu, non pas peut-être les aventures, mais on a envie de rencontrer des gens, vous voyez. Mais tout cela, de sentiers tortueux en chemin de traverse, vous allez arriver. Vous allez arriver peut-être guidé par le hasard, hein, ne sachant comment les choses vont se faire, comment les choses vont se... quand est-ce que Cupidon, Eros, va tirer sa flèche. Alors vous passez peut-être par des moments difficiles, mais voilà, vous cherchez quoi? Vous cherchez l'apaisement, hein, parce qu'il y a quand même la carte du Kukunin. Alors vous cherchez l'apaisement, la douceur, alors peut-être préparer un sourire à l'autre, hein, peut-être que ce sourire va illuminer vos jours et vos nuits, il va vous être rendu ce sourire, et puis peut-être que tout d'un coup vous allez sortir de ces difficultés, vous allez avoir cette petite flamme qui va grandir, l'amour qui va vous trouver au détour d'un chemin qui va vous faire sortir, pour les célibataires, de la solitude, mais aussi de la suspicion de l'autre, parce que dans la suspicion il y a aussi l'idée que si vous avez souffert, eh bien peut-être vous ne pouvez plus faire confiance à personne. Eh bien, les choses vont s'inverser, je pense, les choses vont être guéries, voyez, vous allez arriver à cette perfection, cette concrétisation que vous désirez, que vous recherchez, que peut-être vous fuyez par peur du bonheur, et si le chemin a été long, eh bien vous allez finir par dire oui, par dire oui à l'amour, dire oui peut-être à une union de cœur avec les épousailles, hein, dire oui à cet amour qui grandit, à cette flamme qui se ravive, hein, c'est vraiment cela. Et vous allez concrétiser, hein, il y a une relation qui va se concrétiser, ou peut-être une relation déjà qui va grandir vers un autre devenir, vers quelque chose de nouveau, hein, on pourrait dire cela. N'oubliez pas cette régénération, là on l'a vu, le symbole de la régénération, la salamandre, c'est le feu qui régénère, qui guérit. Alors on va voir maintenant les troisièmes décans, si vous voulez bien. Pour vous, Lyon, pour ce mois d'août 2021 sentimental.
Voilà. Alors, on va prendre un autre petit papier pour les troisièmes décans. Alors, troisième décan, comme je l'ai dit, eh bien, un petit papier. Troisième décan, lion ou sentimental. Et qu'est-ce que j'ai comme message pour vous? Insecte, vous allez peut-être devoir surmonter des difficultés. Alors, je suis désolée, mais bon, ça fait partie de la vie. Hein. Voilà, vous allez devoir surmonter des difficultés. On va voir, hein. Ça veut dire si vous devez les surmonter, eh bien, vous allez tout mettre en œuvre pour les surmonter, justement. Hein. Voilà. Alors, troisième décan des lions. Pour le mois d'août sentimental, alors n'oubliez pas de faire des pouces, c'est important pour le référencement, de me laisser des commentaires si vous voulez participer au concours, et bien de dire que vous êtes abonné et que vous participez au concours, qui verra bientôt un gagnant pour une voyance avec moi. Alors, une très belle carte, je crois, oui, la conception, hein. L'amour fécond, la fécondité, hein. L'envie de rendre fécond son amour, d'avoir des ailes, hein, d'enfanter aussi, d'enfanter l'amour, d'enfanter un enfant, d'enfanter un projet avec l'autre, d'enfanter simplement le désir d'aimer, hein, de s'abreuver à la source de ton cœur pour te sentir fleur. Hein, hein. Voilà, c'est ça. Vous voyez ces difficultés qui sont là, eh bien, déjà elles sont, comment pourrais-je dire, elles sont travaillées, elles sont transformées, voilà, j'ai cherché le mot, sont transformées à quelque chose de positif, hein, voilà. Alors, on est dans le troisième décan des lions pour le mois d'août, hein, si vous désirez avoir des renseignements sur mon signe, alors vous m'écrivez à contact@brigittecrespo.com et je vous renseignerai. Troisième décan, une carte se retourne, très belle carte également, hein. Je suis certaine que si vous avez des difficultés, elles vont être surmontées. Vous allez travailler, vous allez rendre fécond tous vos projets. Puisqu'avec cette carte de la perfection, il y a des choses qui vont se révéler, des choses qui vont se concrétiser. Vous allez savourer un smoothie in love à deux. L'amour est roi, l'amour va être roi. C'est ce que votre désir, c'est cela. Si vous avez des difficultés pour cela, eh bien vous allez travailler, œuvrer, hein, pour que l'amour soit roi. Travailler à cette fécondité de votre couple, d'une relation, d'une rencontre. Hein, voilà. Et même si vous vous sentez peut-être en insécurité, en faiblesse, eh bien, vous allez travailler pour retrouver votre puissance amoureuse, votre puissance de l'amour. Hein. Alors je dis bien sûr que c'est une guidance générale, hein. je voudrais pas qu'on fasse des reproches, hein, comme on fait parfois. Non, non, c'est une guidance générale, elle vous parle ou elle ne vous parle pas. Alors là, j'affine un peu avec les décans. Hein. Mais bon, vous verrez, hein, vous verrez vous-même, parce que n'oubliez pas que vous êtes l'acteur de votre vie amoureuse notamment, puisqu'on parle d'amour, hein, de toute relation. Il y a de la joie, l'allégresse quand même qui vont se manifester. Hein. Il n'y a pas de pleurs jusqu'à présent. Hein. Vous allez peut-être faire une rencontre fulgurante pour certains, et Ross va tirer sa flèche, et tout d'un coup, il va y avoir un avant et un après, hein, et un présent bien sûr. Hein, voilà. Il y a l'idée que... On a cheminé, on a travaillé, et puis maintenant, eh bien, l'amour est là, voyez. Alors, on continue, c'est très beau, il y a beaucoup de joie, de cœur. Peut-être parce que justement, ces difficultés, alors, je cherchais le mot, vous savez, je l'ai trouvé quand même. Vous allez féconder ces difficultés, voilà, pour les transformer. Très, très beau. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Alors, beaucoup de stress d'ébullition, oui, peut-être parce qu'il y a une rencontre qui va vous mettre dans tous vos états, hein, mais il y a aussi l'idée de se poser, s'il y a un amour fulgurant, hein, de se poser, de comprendre ce qui vous arrive, si vous tombez amoureux, si vous avez cette révélation de la joie, cette perfection, un amour qui est fécond, ne serait-ce que pour avoir un enfant, ne serait-ce que c'est pas ce que je voulais dire, mais si vous attendiez un enfant que vous l'espériez, bien il est là, il arrive. Si vous avez des difficultés pour rendre votre couple fécond, eh bien... pour procréer, eh bien voilà, vous allez être heureux, débordé de joie, surexcité. Alors reposez-vous, hein, ne soyez pas tout stressé, même si vous rencontrez votre âme sœur également. Hein, soyez posé, profitez de ces moments, de cette joie, de ce bonheur. Ne faites pas des plans sur la comète.
profiter de ce bonheur. Vous allez comprendre que pour que ce bonheur persiste, et notamment pour les couples déjà qui sont ensemble depuis un moment, il va falloir continuer à travailler sur la fidélité, la loyauté, le dévouement. C'est la constance de votre cœur qui va donner une union durable. Alors bien sûr, vous n'allez pas danser seul, il faut que l'autre aussi aille dans ce sens avec vous, dans votre couple. Mais vous savez que si vous voulez construire un amour durable et sincère, eh bien c'est la fidélité, la constance du cœur qui va vous mener. Vous allez retrouver cette énergie avec cette dynamique de l'homme soleil. Alors c'est peut-être vous monsieur, mais c'est peut-être aussi cette énergie yang qui vous habite. Et bien cet homme soleil, et bien ça veut dire que maintenant vous allez retrouver cette puissance de l'amour tout simplement. Hein, voilà, c'est-à-dire que vous allez être dans l'action et que maintenant vous allez pouvoir, en travaillant sur le dévouement, l'amour, la 16 à plein temps dans votre relation amoureuse, eh bien vous allez pouvoir faire des projets aussi, construire sur l'avenir avec l'autre. Voilà, c'est très beau. Ravissement, délice, bonheur, voyez. Vous êtes dans une mouvance là pour aller vers ce que vous désiriez. Vous allez, pour cette fidélité, je parlais de constance, et bien, c'est semer une graine d'amour, un zeste de tendresse, vous voyez, c'est tout cela, l'amour au quotidien, une attention, un regard, de la passion, bien sûr, aussi, c'est cela, l'amour, voilà. Eh bien, écoutez, je termine sur ce bonheur, sur cette joie qui est là. Je pense que les troisièmes décans auront beaucoup de satisfaction et qu'ils sauront surmonter les difficultés qu'ils vont connaître. Vous voyez, ces difficultés pour accéder à cette joie, à cette félicité. Bravo, bravo, merci infiniment de votre écoute. Je vous souhaite le meilleur. Je vous dis à très bientôt. Excellent mois d'août amoureux. Bye bye.